Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une femme extraordinaire. Elle s'appelle Sitima Enli et figurez-vous que sa maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sitima a décidé de lui consacrer tout son temps et ce, jusqu'à la fin. Une femme au courage hors norme, comme il en existe de moins en moins. Maman ne me reconnaît plus, regardez tout de suite ce reportage signé Daniel Dunon et Jacques Hidaldi. Je suis avec ma mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc là, je suis sortie de chez moi. Je vais envoyer mon mari au boulot. Donc là, je vais voir préparer ma mère, faire sa palette, lui donner à manger. C'est après que je pourrai me rendre au boulot. Donc là, je... Maman. Elle mange deux fois, elle ne veut même pas manger. Il faut qu'on lui tienne compagnie, il faut qu'on lui donne à manger. On tient vraiment la cuillère pour lui donner à manger. Être à côté des malades d'Alzheimer, c'est pas facile. Tu peux être à tout moment être battu, tiré, pincé, même mordu. Mais là, maintenant, elle est calme, elle ne fait rien. Avant, ça a commencé. Peut-être elle avait peur ou elle avait honte, ou peut-être elle ne se remarquait pas, mais maintenant, ça va. Il y a la souffrance au niveau d'elle, au niveau aussi de nous, parce que tant qu'on a vécu avec elle, on connaît que c'était une bonne femme, patiente, généreuse, et tolérance, et elle aime les gens. Et maintenant, tout d'un coup, ça a changé de caractère, c'est souffrant aussi pour nous. Et puis, nous, on est là, on ne sait pas la finalité de la maladie. Or, on nous explique la finalité, mais on ne veut pas l'accepter. Je suis avec ma soeur, mais là, elle a pris un petit peu de repos parce qu'elle est fatiguée, elle travaille à Mamoudzou. Moi aussi, je travaille un petit peu dehors. Et donc, on se donne le temps. Une fois, je prends le congé un petit peu, d'une semaine ou trois jours, comme ça. C'est très difficile. Et puis, le temps, c'est trop court. Nous, on n'a pas beaucoup de temps à passer avec elle. Moi, j'ai fini de pleurer. Et j'ai pleuré tant de fois, mais maintenant, je suis conscient et moi j'ai dit que c'est fini de pleurer, mais il faut se battre. Des fois, ça m'arrive de rester tout seul et en pensant que qu'est-ce qu'elle va devenir et est-ce qu'elle va rester comme ça jusqu'à sa mort et quand et comment. Et c'est ça ce qui
C'est que des fois, j'ai même parlé à mon inspecteur, j'ai envie d'abandonner le boulot pour rester avec maman. Quand on commence à vivre cette maladie, c'est vrai, tu n'as qu'à pleurer. Moi, j'ai crié partout, j'ai pleuré partout, devant tout le monde, devant l'ARS, devant toute l'ARS de La Réunion. J'ai même pleuré en métropole, à l'Assemblée et tout ça, parce que jusque-là, on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir de traitement. Le traitement, c'est quoi? On ne sait pas jusque-là. On l'aime toujours, on est toujours avec elle et on se bat pour ça. Et que, oui, je ne veux pas, parce que j'ai resté longtemps. Je vais tout fermer et que je vais la laisser. Ça, c'est ce qui me fait vraiment mal. Et que mon père, il est fatigué et il veut se soulager un petit peu au dehors. Et c'est ça, ce qui me fait très mal. Zandé, merci, Reina. Reina? Donc, je suis obligée, parce que là, mon père, tu vois, il est sorti pour se reposer un petit peu. Mais là, on ferme comme ça, mais là, il ne pourra pas sauter. Donc, il n'a plus à monter et à sauter. Mon père, il part de temps en temps, il vient. Voilà. Là, maintenant, fini chez maman. Et maintenant, c'est le boulot. Alors, après avoir passé plusieurs heures auprès de sa maman, à l'aider, à la nourrir, à la soigner, Sitina attaque sa journée de boulot. Et oui, Sitina a un métier. Elle est enseignante et elle s'occupe d'une classe de tout-petits. Peut-être qu'après ces images, vous vous poserez la même question que moi. Mais où est-ce qu'elle trouve encore toute cette énergie? Donc, le fils est parti à l'État. Pardon? Le fils est parti à l'État. Oui. Des fois, je l'amène, mais puisqu'aujourd'hui, vous êtes là, je n'ai pas le temps parce qu'il faut que j'arrive là-bas. Moi, je l'amène là-bas. Si je l'amène à son école, après, je retourne, il y a toujours un peu de retard. On accueille les enfants à partir de 7h25. C'est ma classe. Donc, quand je suis ici. Je suis avec les enfants, je suis au boulot, c'est ma vie aussi. Il faut que je construise ma vie. Bonjour, mon mère. Ça va? Bonjour Rahim. Tout va bien? Merci. Bonjour Tasrina. Si. Bonjour Rania. Bonjour Serena. Allez, tu es pas? Bonjour. Allez, Michi, c'est quelle belle. Tu as toujours fait la liberté. Regarde, tu commences là au milieu, tu vois. Tu regardes là, tu fais le point. Après, tu tires vers là-bas et tu tires vers ici et tu refais, tu vois. Merci. Ça, il ne faut pas prendre ça parce que tu vois, c'est pas la même chose que ça. Parce que l'enfant, quand il commence à écrire, il ne va pas faire ça. Ok? Là, on va.
mettre ensemble un projet spécial outre-mer pour les maladies d'Alzheimer. Mais je ne sais pas quoi. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est encore non décidé. Mais par exemple, comme tu vois, Mayotte n'a pas d'EHPAD, Mayotte n'a pas d'accueil du jour, Mayotte n'a rien pour l'instant. Rien. Donc, on est là à construire toutes ces structures-là. Donc, il faut qu'on voit ce que les autres ont fait et qu'on arrive à faire. La maison de retraite, pour nous, ici, c'est encore très, très, très tabou. On n'ose pas le dire, on n'ose pas, parce que si tu le dis, on te dit que tu n'aimes pas ta famille. Et Naro, on se dit, allez, Taïsia, allez, réponds à toi. Taïsia, réponds. Très bien. Là, on applaudit parce que. On a déjà dit qu'il a. Et donc, nous tous, on a subi cette tradition de rester avec les grands. Donc, on ne peut pas les abandonner comme ça. Bon, quand je vois travailler les enfants, moi, ça, j'oublie mes peines, j'oublie mes soucis, parce que quand tu vis avec les enfants, il y a beaucoup de choses qui se créent et que des fois, tu arrives à oublier tes soucis. Donc, tu vis vraiment. La semaine prochaine, je vous amène à la rencontre d'un autre personnage. Décrié par certains, adulé par d'autres, son métier, chasser les chiens errants. Ok, hey, hey, je suis pas tout seul, on est plusieurs. Alors t'intéresses à fermer ta bouche, toi, là. Tiens, vous allez vraiment avoir des problèmes, je vais monter. Des jeunes, vous n'avez pas vu des jeunes descendre en courant? Je sais pas si c'est là. Chien errant, ne ratez pas le prochain numéro de Héros Urbains.